Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo à la cool. J'ai pas envie de me préparer. J'ai rien préparé du tout d'ailleurs pour cette vidéo. Alors vous avez pu voir que ça faisait bientôt 2 mois, je crois, que je n'avais rien publié sur ma chaîne. Que j'avais notamment annoncé l'arrêt de cette dernière sur mon blog en expliquant les différentes raisons et surtout dû au fait que je devenais un petit peu obsédée par les statistiques et par l'absence de commentaires de personnes qui me suivent. Même si je remercie toujours certaines personnes qui sont fidèles et qui m'en laissent très régulièrement, il n'y en avait que 2 ou 3 par vidéo et c'était devenu très frustrant et plus satisfaisant par rapport à l'investissement que YouTube demande. Donc si vous entendez des petits bruits, c'est ma fille, ne vous inquiétez pas, elle est sur son tapis en train de jouer et de m'écouter, et elle devient un petit peu bavarde. Donc voilà, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo plutôt relax, sans se prendre la tête, sans cut spécialement, on verra bien ce que ça donne. J'aimerais vous parler de mes lectures en cours, j'en ai énormément, donc voilà, quand je dis énormément, c'est-à-dire que j'en ai 8, et que vous allez pouvoir voir... ici. Donc, c'est des lectures notamment, bah voilà, vous voyez, il y a même mon micro parce que j'ai pas trouvé l'adaptateur, donc je sais pas ce que son va donner. Alors, je commence par La Cresserelle. Donc, c'est un livre de Patrick Morin, édité chez Mnemos, je crois qu'il est sorti en février. Je suis à la page 57. J'ai bien aimé, il me semble que je l'ai commencé début avril, sauf que j'ai pas, en fait, c'était pas le moment pour moi de le lire. J'ai pas réussi à m'investir dedans, à m'impliquer dedans, donc j'ai préféré le mettre en pause. Et j'ai pu discuter avec l'auteur aux Imaginales qui m'a dit qu'effectivement les 50 premières pages étaient un petit peu dures à passer puisqu'elles sont, elles représentent en fait l'immersion dans l'univers avec un monde assez complexe. Donc pour l'instant je l'ai laissé là, j'ai vu avec l'éditrice puisque c'est un service presse en lui disant que je le mettais en pause et que je le reprendrai plus tard. Pour l'histoire, en fait, La Cresserelle, donc c'est cette femme qui est une assassin. Il y a des cités-états, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, qui existent et qui remonte rencontrer un publicain avec avec une récompense apparemment à la clé qu'elle doit lui soumettre. Je ne sais pas dans quel but. En tout cas, moi, j'en suis là. Donc, on découvre les cités-états. On découvre cette femme, on découvre tout un système de magie et c'est ça qui m'intéressait particulièrement. J'ai trouvé ça très très sympa. Donc voilà comment ça se présente. La couverture n'est pas signée Melchior Ascaride. À chaque fois je pense que c'est ça, mais pas du tout. C'est quelqu'un d'autre, c'est un nom russe je crois. Je ne me rappelle plus où c'est que je l'ai vu. C'est Kristina Kalida. Je ne sais pas en fait du tout quelle est l'origine de l'illustrateur ou l'illustratrice. Donc comme vous pouvez voir, j'ai aussi marqué un petit peu, voilà, ici et là, des petits passages par rapport à ma future chronique en ligne sur le blog. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Si c'est bien, j'aimerais peut-être que vous me donnerez l'envie de me replonger plus vite que prévu dedans. Ensuite, on passe à un livre que j'ai pour l'instant clairement abandonné parce que trop violent. Il s'agit du Gang des rêves. C'est un roman que Treki m'avait offert lors de notre échange de Noël. Et j'en ai entendu énormément de bien. C'est de Luca Di Fulvio, publié chez Pocket. C'est une bonne petite brique qui fait plus de 900 pages. Et moi, je me suis arrêtée ici, donc au chapitre 22, à Manhattan en 1923. Alors ce qui m'a gênée dans ce livre en fait, c'est la violence des premiers chapitres à laquelle je ne m'attendais pas. Je vais vite fait déjà vous raconter le prélude, le prologue, où en fait on rencontre une des héroïnes, ou enfin un des personnages secondaires qui s'avère être la maman du héros du livre, qui s'appelle Seta je crois, et on la découvre donc dans sa ferme en Italie, qui a 13-14 ans et en fait qui se fait violer. Et de ce viol va naître donc son petit garçon Nathalie, qui sera plus tard renommé Christmas lorsqu'elle arrivera aux États-Unis à New York. Donc ça commence avec ce viol, avec le fait que sa mère a elle essayé de la protéger petite en l'estropiant pour justement éviter le regard des personnes mal intentionnées. Et déjà c'était difficile comme chapitre. Puis très vite est venu un autre chapitre encore plus difficile. Voilà, alors si vous ne l'avez pas lu, zappez de 30 secondes pour pas vous faire spoiler. Avec un, je crois que c'était au chapitre 8, avec un autre viol d'une autre adolescente qui plus est juive, et ça a été très
très très dur, mais trop dur pour moi, trop violent. Ça m'a vraiment choquée et en fait j'ai pas réussi à continuer. Déjà il m'a fallu quelques jours pour me remettre de cette scène trop violente, parce que non seulement elle se fait violer, mais en plus elle se fait amputer. Et en plus, il y a tout ce racisme existant dans les années 20 aux États-Unis entre voilà, les immigrés juifs et les immigrés italiens qui est très très présente et très réaliste, qui m'a vraiment rebutée dans ma lecture, parce que je suis pas prête à lire des romans aussi réalistes. C'est bien pour ça que j'aime l'imaginaire, même si dans l'imaginaire il y a de la violence. On sait qu'il y a une distance avec la réalité qu'ici on n'a pas, parce que clairement c'est hyper bien écrit et on a l'impression que tout est vrai, quoi. Donc voilà, je me suis arrêtée, j'ai essayé de continuer sous les encouragements entre autres de ma voisine à qui j'avais prêté le livre et qui veut absolument qu'on en parle, suite aux encouragements d'autres personnes qui m'ont dit aussi qu'il y avait quand même de l'amour et de l'espoir, mais je le sens pas, je n'ai pas envie. Ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on a plusieurs points de vue. On a notamment le point de vue de ce violeur qui est là et que j'ai pas du tout envie de suivre. Voilà, je sais que je l'ai catalogué, je l'ai catégorisé et je ne vais pas en savoir plus sur lui. Mais je suis obligée de lire ces passages puisque ça rejoint l'histoire des autres personnages du roman. Donc voilà pour celui-là où j'en suis. Ensuite, la duchesse. Donc, l'intrépide cousine du roi. Donc ça, c'est Duchesse rebelle de Anne-Marie Desplat-Duc, publiée chez Flammarion. Jeunesse, l'autrice était connue du fait qu'elle avait écrit les histoires des princesses, je crois. Voilà, les colombes du roi soleil. J'en avais vaguement entendu parler. Je sais que ça avait eu un franc succès. Et donc, j'avais demandé ce livre en service presse à l'éditrice des Flammarion Jeunesse. Et je l'ai commencé il y a au moins 2 mois. En fait, c'est le livre que je lis à ma fille. Voilà, j'en suis à la page 148, donc chapitre 14. J'en suis vraiment à la moitié. Donc j'aime beaucoup, j'aurais adoré sincèrement lire ça quand j'avais 13-14 ans. Ça me rappelle beaucoup les contes, les romans de la comtesse de Ségur. C'est hyper bien écrit, il y a beaucoup de vocabulaire, c'est très instructif. Je pense que je vais me renseigner sur plusieurs personnages historiques cités dans ce livre. On parle, je crois, du cardinal de Richelieu... et puis de Louis XIV, et puis de plein de personnages qui tournent autour. On parle de la Fronde, donc je pense qu'il y a matière à vraiment intéresser les adolescentes qui voudraient lire ce livre. Et puis il y a un petit côté voilà, duchesse rebelle, princesse rebelle, ça fait un petit peu rêver une vie que l'on n'a pas aujourd'hui, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Donc celui-là, je pense le continuer. En fait, je vais arrêter de le lire à ma fille, parce qu'en fait, ça fait déjà plusieurs semaines que je ne lis plus d'histoire pour l'après-midi. Elle s'endort toute seule, donc voilà, je vais le reprendre tranquillou. Ensuite, coucou. Ensuite, un livre pour lequel j'ai beaucoup de mal, Flash. Donc ça, c'est le comics. Alors, pour vous expliquer, j'adore la série qui est sortie sur Netflix. Donc j'ai regardé les 2 premières saisons. J'attends avec impatience la saison 3, mais je ne sais pas quand elle paraîtra. Et donc j'ai eu envie de découvrir les comics. Donc j'en ai 2 autres à lire, notamment j'avais acheté Lady Mechanica et The Witcher. Mais je voulais vraiment commencer ma découverte des comics avec un super-héros. Donc je suis allée au magasin de comics et ils m'ont conseillé Flash dans la collection donc DC Rebirth. Et en fait j'ai énormément de mal, parce que je trouve que l'histoire va trop trop vite. Bon, les dessins, ça va encore, ça passe, même si je suis surprise de voir encore une fois que les personnages du comics n'ont rien à voir avec les personnages de la série, mais clairement pas, hein. C'est-à-dire que si vous connaissez Barry dans la série Netflix, ici Barry, clairement, le voilà, il est blond. Iris, elle est d'origine blanche, ça se dit pas comme ça, mais c'est pas grave. Enfin, elle est blanche, elle est pas métisse ni noire, comme dans la série. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui changent, mais à la limite, ça, bon, voilà, je me suis adaptée, puisque c'est un peu le principe des comics et des adaptations télévisées et cinéma. Mais ce qui me gêne, c'est qu'il y a des ellipses dans le temps où, franchement, je trouve que le scénario, il est pas facile à suivre du tout. On passe du coq à l'âne, on passe à des échanges de dialogues qui, pour moi, n'ont ni queue ni tête, et j'ai beaucoup de mal. Donc je suis... voilà, je m'arrête même pour vous dire en plein milieu d'un comics, hein, parce qu'un comics fait quoi, une vingtaine de pages, 30 pages. Donc je me suis arrêtée au comics numéro 3, et il y en a 8 en tout. Et pour l'instant, sincèrement, c'est un petit peu
ça peut paraître un peu insultant, mais c'est ma lecture de toilette. Donc je lis très peu et voilà. Et du coup je le laisse là-bas et quand j'ai envie de prendre un petit peu de temps, je le lis, mais c'est pas ce qui me passionne le plus, quoi. Après, on passe à des lectures. Alors j'ai pas sorti ma liseuse, mais je vous en parlerai après. Pour l'instant, donc Le Village, j'adore, j'en suis à la moitié. J'ai pas pris le temps de le relire depuis bientôt 15 jours. En fait, je l'avais acheté l'année dernière aux Imaginales et je voulais absolument le lire parce que Emmanuel Chastelière a sorti deux romans. Un chez Scrinéo qui s'appelle Poussière fantôme que je dois lire et l'autre qui est L'Empire du Léopard et qui est sorti chez Critique au courant du mois de mai. Et du coup, j'avais envie d'acheter L'Empire du Léopard, chose qui a été faite. Mais avant ça, je voulais quand même commencer Le Village et j'adore. Il y a une ambiance particulière dans ce roman. On va suivre l'histoire d'une adolescente qui se réveille dans un village. Elle est insomniaque. Je suis désolée, je suis en train de me rendre compte que je bouge ma jambe, donc vous allez peut-être avoir des tremblements. Oh, tout ça? Toi aussi, tu donnes ton avis sur les livres? Donc, voilà, elle se réveille insomniaque dans un village. Elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas ce qu'est ce village. Le village abandonné, et en fait, il s'avère qu'elle va retrouver d'autres jeunes personnes qui semblent fuir quelque chose, et notamment des docteurs de peste. Et plus on va avancer, en fait, chaque chapitre est entrecoupé d'interludes, et plus on va se rendre compte qu'il y a effectivement une malédiction qui s'est abattue il y a plusieurs siècles de ça, j'imagine. Donc, entre chaque chapitre, on a des interludes qui nous plongent dans le passé de ce village et qui nous permet d'en apprendre plus. C'est surtout l'ambiance que j'aime, une ambiance de huis clos qui permet de nous transporter dans, voilà, dans un environnement, dans un roman et qui nous met un petit peu mal à l'aise. Qui, voilà, on se demande ce qui se passe, c'est brumeux. C'est vraiment très sympathique et j'aime beaucoup. Et du coup, bah, je vais le continuer aussi dès que je peux parce que j'ai vraiment envie de le terminer. Ensuite, je lis avec les copines Corée, Gilouen et Melquette. Manèche, le tome 1. Alors là, ne vous fiez pas, j'ai la version, en fait, j'ai acheté l'intégrale il y a quelques mois sur liseuse. Donc je le lis sur ma liseuse, mais l'année dernière, j'avais acheté ça, je crois, il y a deux ans, en 2016, aux Imaginales. Ce qui est aussi plus sympa parce que la version intégrale en e-book, elle fait je sais pas combien de pages et c'est un petit peu décourageant par rapport au pourcentage. J'aime beaucoup la couverture du livre de poche, celle de chez Les Moutons Électriques était aussi magnifique. Je suis désolée pour les petits bruits de la puce, j'espère que ça ne gênera pas la vidéo. Et donc c'est super bien, ça parle de magie, ça parle d'hindouisme, de spiritisme, il y a aussi de la mythologie celte. Voilà, pour l'instant, je pense qu'on... Je sais pas combien on en est en fait. Je vais essayer de vous retrouver ça. Les chapitres sont très 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 longs. Bah voilà, j'en suis là je crois. Pile ou au 10? Non, je crois que j'en suis là. Donc voilà, pile poil. 307 pages sur à peu près 740 je pense. Donc on avance tout doucement vers la moitié. Mais là encore, ça fait un moment qu'on n'a pas trop avancé parce qu'on a chacune des activités, des autres choses à faire à côté. Et du coup, c'est pas facile et c'est un livre qui demande énormément de concentration et qui est très contemplatif. Donc il faut lire en étant vraiment bien dedans et pour profiter au mieux de ce roman. Bon, comme je vous disais, c'est vraiment à la cool. Hein. Donc là, en gros, je vous parle, j'ai la petite qui est en train de téter. Alors, j'ai aussi acheté donc Créature aux Imaginales la semaine dernière. C'est une anthologie, l'illustration magnifique de John Hove, l'illustrateur du Seigneur des Anneaux. Et j'ai lu les trois premières nouvelles. J'ai beaucoup aimé celle de Jean-Laurent Del Socorro, très poétique. Ça, je vous en parlerai un peu plus longuement. Et là, je vais attaquer celle de Gabriel Katz. Je pense dans la journée, j'espère le lire vite. J'ai pas envie de laisser traîner une énième anthologie dans ma bibliothèque. Donc voilà, c'est pour ça que je commence celle-ci dès mon retour des Imaginales. Et enfin, je vous reprends la caméra, face caméra, tout simplement parce que j'ai oublié de préparer le dernier livre. J'ai commencé également avec Gilouen et Corée, le tome 2 des Sœurs Carmine. Je n'ai plus le titre précis, mais c'est celui qui concerne Tristabelle de Ariel Halls. Et pour l'instant, je ne peux pas trop vous en dire parce que j'ai dû lire que deux chapitres, mais il y a énormément d'humour. Et en fait, je me dis que Ariel a dû s'éclater à écrire le... pour un personnage aussi odieux et aussi imbu que Tristabelle et je pense que ça doit être vraiment jouissif de donner la parole à un personnage comme elle.
Voilà, donc c'est terminé pour mes lectures en cours. Je voulais savoir si vous aussi, vous alternez beaucoup de lectures. En général, ça fait peur quand je montre tout ça aux personnes ou quand j'en parle aux personnes autour de moi. Pour ma part, ça va, je ne me mélange pas parce que comme vous avez vu, il ne s'agit que de genres différents, il n'y a pas un genre identique. Et du coup, c'est un petit peu comme quand on regarde des séries, en fait. On sait où on en est, on regarde plein de séries en même temps, mais voilà, on sait les différencier. Eh bien, moi, c'est la même chose par rapport à mes lectures en cours. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous faites comme moi ou pas. Et sur ce, ben, je vous laisse. Je vais m'occuper de ma fille. Je vous dis à bientôt. Ciao.